Je marche dans la nuit noire. Elle est obscure à souhait. J'aime ce calme. J'aime l'air pur. Et surtout, la nuit, il est plus facile de tuer. Les gens aiment se prendre pour ce qu'ils ne sont pas. Ils aiment penser qu'ils sont au-dessus des lois, au-dessus des hommes, au-dessus de tout. Mais personne n'est au-dessus de moi. La première personne que j'ai tuée était un homme. Je l'avais croisé dans un bar. Et pendant qu'on discutait, il me racontait qu'il était marié et qu'il aimait beaucoup embaucher des call girls. Qu'avec ses femmes, il pouvait tout se permettre. Parce qu'avec sa femme, c'était compliqué, qu'ils étaient mariés depuis trop longtemps. Bla, 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 bla. Et ça a déclenché une sorte de rage en moi. Je ne lui ai même pas répondu. Je suis sortie du bar. J'ai senti une haine me consumer. J'avais envie d'assouvir une sorte de vengeance, comme si j'étais devenue un justicier. Je me suis donc cachée dans une ruelle et j'ai attendu. J'avais un couteau sur moi. Je l'avais pris avant de sortir de chez moi. Allez savoir pourquoi. J'avais sûrement pressenti tout ça. En attendant ma première victime tapie dans ma cachette, j'ai ressenti une excitation intense. Je venais de l'apercevoir. Il sortait du bar et titubait légèrement. Aucune femme à son bras. Bien. Il n'a pas eu le temps de se rendre compte de quoi que ce soit. Je suis sortie de l'ombre. Il m'a regardée surpris un court instant. Puis, je ne lui ai pas laissé le temps de parler. Je l'ai égorgé. Des giclées de sang m'ont aspergé le visage. J'étais au bord de l'extase. Je ne savais pas que le meurtre pouvait être aussi bon. Je n'ai pas pu en profiter aussi longtemps que je l'aurais voulu. Des passants sont arrivés. Suite à ça, je suis rentrée chez moi. Mes habits étaient couverts de sang et j'avoue que j'avais du mal à m'en débarrasser. J'aimais cette odeur métallique, sa couleur, sa texture. Je me sentais comme un être supérieur. Je venais de retirer la vie à un homme et j'y avais pris énormément de plaisir. J'ai tout de même fini par aller prendre une douche, à contre-cœur. Puis, je suis allée me coucher. Le lendemain, je me suis rendue au travail. J'ai salué mes collègues, comme d'habitude. Je sentais un changement en moi et j'avais envie de savoir si mes collègues le ressentaient. Mais non. Pour eux, ça avait l'air d'être un jour comme un autre. Ce n'est pas grave. Je m'étais découvert un nouvel hobby, une nouvelle passion. Le soir même, j'ai revêtu ma cape avec capuche. Je ne suis pas restée dans le même quartier. D'ailleurs, aucune de mes victimes ne se ressemble. Je prends différentes personnes au hasard. Il suffit simplement que leurs faciès ne me reviennent pas. Et parfois, je n'ai même pas besoin de les voir. Quand je suis dans un bar et que j'entends le son de certaines voix, mes poils se hérissent. Je ressens immédiatement de l'antipathie pour ces gens. Il ne me reste qu'à les repérer. Puis, soit je les attends, soit je sors avant eux et je les guette. Et quand ils se retrouvent seuls, là, j'attaque. Avec ma petite expérience, maintenant, j'ai une préférence pour l'éviscération, appelée plus communément par le mot « éventrée ». J'ai des lames très acérées, et je ressens un plaisir sans fin lorsque mes victimes se vident les boyaux devant moi. Les égorger aussi me procure énormément de joie, mais je n'allais pas pouvoir continuer à m'amuser tranquillement. Oui, la police a commencé à s'intéresser de plus en plus à ce « serial killer ». Les journalistes étaient empressés de le surnommer l'homme en noir. Je trouvais ce surnom intéressant. J'aurais préféré l'ombre de la nuit. Je trouvais que ce surnom m'allait comme un gant, mais je n'allais pas chipoter. J'étais une star. Ma notoriété ne serait pas de courte durée, comparée à certains. Mon nombre de victimes augmentait, malgré que les forces de police faisaient en sorte de mobiliser un maximum d'hommes. Les patrouilles circulaient toutes les nuits. Le seul problème que j'avais, c'est que je ne savais pas du tout s'ils avaient une piste ou pas concernant l'homme en noir. Alors pour en être sûr, j'ai commis un meurtre dans mon immeuble. Je savais que la police allait nous interroger. Quand ils ont frappé à ma porte, je les ai invités à entrer. J'ai répondu à toutes leurs questions. J'ai même eu l'audace de demander si on était en sécurité. Ils m'ont dit de ne pas m'en faire. Qu'ils attraperaient cet homme tôt ou tard. J'ai fermé la porte derrière eux en leur souhaitant bon courage, très ironiquement. Ce qui m'a fait doucement sourire, c'est qu'ils m'ont parlé de l'homme en noir. Mais à aucun moment ils se sont dit que sous cette cape se cachait une femme. Mais surtout, que le sujet de mon premier meurtre n'était nul autre que mon mari.